certain nombre d'habitants de Vordingborg souffrant de signes pathologiques tels que des réactions allergiques sévères et de graves problèmes respiratoires. Elle doit faire boucler sa ceinture, c'est bon. On sait jamais quand le monde est sur le point de changer. Les témoins rapportent que ces symptômes sont apparus après une grosse averse de pluie qui a traversé... Mais quand ça arrive, il faut être prêt. L'eau de pluie, il y a un virus dedans. Mais où est-ce qu'on va? T'arrête pas! On est bientôt arrivés! Entraîne-la! C'est l'endroit le plus sûr qu'on puisse trouver. Je suis le seul à pouvoir arranger ça. Personne ne doit trouver Rasmus. C'est lui la clé. Je viendrai vous rejoindre le plus vite possible. Je te le promets. On attend depuis 6 ans. Il reviendra pas. Il va sortir d'ici. Il vient avec nous. Ils savent où trouver des vivres. La pluie a tué toute la population. Les rares survivants ont contaminé tout le monde sur leur passage avant de crever la gueule ouverte. Tu dois trouver ce bunker avant le coucher du soleil. Ma seule responsabilité, c'est Rasmus. Tu crois que le monde est encore comme avant? Tu te trompes. Non, s'il vous plaît, vous approchez pas. Vas-y, bute-la! Putain, mais vous êtes quoi, des animaux? Elle était condamnée à l'instant où son casque touchait. Non. Je te retourne le cerveau. Elle en a rien à foutre de nous. Personne n'appartient à personne dans ce monde. Ce n'est pas une question de survie, mais d'espoir.